Salut. Vous le voyez sûrement, je suis fatiguée. Là, je suis vraiment au bout un peu de moi. J'ai très mal dormi la nuit dernière encore. Enfin, très mal dormi. C'est pas que j'ai très mal. J'ai la flemme de me lever. Je sais que le cadre est horrible, mais franchement, je suis trop fatiguée. Pardonnez-moi. C'est pas que j'ai vraiment mal dormi, c'est juste que j'ai mis très longtemps à m'endormir. Et que donc, et ben ce matin, quand il a fallu se réveiller à 6h, et ben c'était pas facile, voilà. Donc c'était dur, le bus était insupportable. En classe, une de mes deux classes, personne n'avait ou quasiment le livre pour travailler. Donc ça m'a énervée. Là, je suis dans mon lit, comme vous pouvez le voir. J'ai tellement de choses à faire. Je dois filmer ma vidéo lecture récente que j'ai toujours pas filmée et là je commence à être vraiment en retard. Donc en fait pourquoi je me mets la pression pour ces lectures récentes, c'est parce que c'est en général là que dans ces vidéos là que je parle du club de lecture. Donc je tiens à préciser, comme ce mois-ci, bah, vous voyez bien que je suis en retard au niveau de cette vidéo là. Toutes les informations vis-à-vis du club de lecture sont sur mon blog. J'ai publié un nouvel article, donc vous pouvez aller le voir. Il est dans la description en bas où je vous annonce les lectures du mois de décembre et où je reviens brièvement sur les lectures du mois de novembre. Et j'aime beaucoup parce que vous pouvez me partager également vos impressions. Donc voilà. Donc faudrait que je filme cette vidéo. Il faudrait également que je filme une vidéo que je vais faire en collaboration avec Audible. Et je dois la publier dimanche et je sais pas trop quand je vais avoir le temps, si je la filme pas aujourd'hui, de la filmer et de la monter. J'ai toujours pas finalisé mon podcast, ce qui me saoule. J'ai des copies à corriger, j'ai un cours d'accompagnement personnalisé à faire, j'ai des cours pour vendredi à faire aussi. Bref, c'est super. Donc, autant vous dire que j'en ai marre. Parce que là, tout ce que j'ai envie de faire, pour être honnête, c'est de me mettre dans mon lit et de lire tranquille. Donc je pense que 14h30. Que faire? Ah, faut aussi que je décharge le carton de déménagement que j'ai toujours depuis le mois d'août dans ma nouvelle malle, que je le descende, enfin, je peux plus le voir ce carton. Je le vois, j'en ai marre. Et voilà, c'est à peu près tout, enfin c'est à peu près tout, c'est beaucoup de choses hein, quand même. Vous savez quoi, je vais pas me mettre la pression avec ça. Du coup je vais éditer le vlogmas d'hier. Je vais peaufiner le script de ma vidéo pour Audible. Et je pense que ce sera déjà pas mal, plus le carton. On va rester sur cette to-do list. Voilà, ça m'évitera aussi de penser à des trucs moins plaisants, genre ma demande de contrat doctoral qui n'avance pas parce que j'ai pas le temps de me concentrer sur ça et que mon estime de moi est en train de baisser de plus en plus et que je me sens de plus en plus nulle au niveau littéraire. J'ai l'impression que même des trucs que je faisais en M1, bah maintenant je serais incapable de les faire. Enfin, grosse sensation de nullité, de médiocrité à ce niveau-là. Et donc je suis même en train de me dire à quoi est-ce que ça sert de continuer à prendre le temps des deux profs qui se sont engagée à m'aider et à se porter comme mes directrices de recherche si jamais voilà. À quoi ça sert de me nourrir, de créer de faux espoirs et de les alimenter ainsi en faisant les recherches, etc. Je suis vraiment... Je me dis, il y a tellement peu de contrats doctoraux et il y a des gens qui sont déjà agrégés et il y a des gens qui sont tellement plus doués que moi et qui vont tellement mieux s'exprimer dans les commissions et qui vont présenter des projets qui seront tellement plus traditionnels ou entendus, j'ai envie de dire, pas manquant de qualité ou d'intérêt, c'est pas ça que je dis, mais j'ai envie de faire une thèse sur ce que j'avais déjà fait en M1 il y a de ça 3 ans, 4 ans, je sais plus. J'aurais envie de travailler sur le végétarisme et le genre dans la littérature, dans les littératures anglophones, francophones et germanophones au 19e. Et voilà, j'avais déjà travaillé sur ça en M1 il y a quelques années de cela.
Et je me dis, c'est vraiment à cheval sur littérature quand même et histoire, et puis c'est assez engagé, donc est-ce que ça va passer? J'en sais rien. Il s'est rien passé de super négatif aujourd'hui, mais je dois vous avouer que voilà, les cours étaient pas. Enfin, le second cours, si vous voulez, quand vous faites pas ce que vous aviez prévu et qu'en plus vous devez un peu punir dans un sens les élèves, c'est jamais agréable. Enfin, moi en tout cas, ça me plaît pas. J'ai le sentiment de pas avoir apporté quelque chose en fait durant 7 heures de cours. Je commence à être vraiment frustrée aussi de ces temps de 55 minutes. Je trouve qu'on n'a pas le temps d'explorer vraiment les œuvres, les extraits, de faire de vraies activités. Ouais, je sais pas, je me sens frustrée là, je crois. Je me sens frustrée et j'ai l'impression de perdre presque tout ce que j'ai pu apprendre ou découvrir lors de mes études de lettres. Et j'ai une seule envie, en réalité, c'est de retourner à la fac. Sauf que bah, je peux pas parce que faut que je travaille, parce que j'ai besoin d'argent et que j'ai personne qui va me payer pour être à la fac, tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi que la recherche et la thèse, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tellement réussir à décrocher parce que bah déjà parce que je crois vraiment en ce projet, parce que j'aime la recherche et parce que je ressens un vrai besoin d'être dans cet environnement-là à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis blasée un peu, je dois vous avouer. Mais bon, je vais aller éditer Vlogmas parce que c'est ce qu'il faut que je fasse en fait maintenant, au lieu de blablater, de me lamenter et de m'apitoyer sur mon sort. Donc je vous dis à la prochaine. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight, watching all the lovers fall into the night. All the moods in the heart. Guys, I look like a monster of some sort. So I just woke up and I had a pretty good night. I had a bit of a headache last night and I was starting to feel really not so well. So I took some medicine and as always this medicine really makes me sleep so well, so I fell asleep super quickly. I had a very deep sleep, because today I'm not working at school, I'm actually going to. Oh gosh, I didn't remove my makeup yesterday. Wow, since it's my first year after the competitive exam, my time is divided into actually working at school and being myself at school. Receiving like lectures and activities to become a better teacher or something along those lines. It's 99% of the time very useless and such a waste of time, and it's really getting on my nerves that I have to go there twice a week from 9:30 to 4:40 p.m. But yeah, I have to. So still, it's kind of better because it's in Paris, thanks Lord. So I can take the metro and it's much quicker to get there, which is really nice. So this morning I woke up at 8, which is wow, so nice. Ideally I would have liked to wake up at 7 so that I could still, you know, do things, but yeah, I really needed some sleep, so that's fine. So yeah, I woke up at 8, now I'm gonna get my breakfast. I did myself some very Frenchy breakfast and then I'm gonna get ready and leave. And tonight I really need to film a video and I really need to clean the house as well. So yeah. Thank you.
Okay guys, so as you probably saw, today was a bit of a busy day. I recorded some clips here and there, but nothing interesting. And I'm not gonna bring you anything interesting now either. It is about 9, it's about 7 p.m. I am feeling a bit tired, so I went to the, I don't even know how it's called in English, la formation, today. It was, as per usual, very boring, but yeah, then got back home, I showered, washed my hair. I need to do something about it, because it's actually looking really rough at the moment. I don't even want to show you the top of my head, because, yeah. I'm going to finish reading the Banana Yoshimoto's novel that I started yesterday. I have graded a few more tests. I need to find an extract from a book that I can analyze with my students from high school tomorrow. I need to find something that's suitable for their level, so it's kind of difficult. I really want to keep working on the extract from the sentimental education, because it's actually just a really good text to write, to work on for what I want to work on tomorrow, so might just keep that. But yeah, I'm gonna try and see if I can find something else, because I feel like they did not really enjoy it that much, which is always a bummer. But yeah, I guess they Flaubert is a bit, I love Flaubert, is my love, my absolute love, but you know, first of all, it's not in 1 hour that you can appreciate his work. Second of all, I feel like Flaubert is definitely someone that you need some literary knowledge and background to appreciate. Not necessarily a lot, but a little bit still. And yeah, that's all I've done. I'm feeling a bit tired. I'm hoping to sleep really early tonight, because tomorrow is a busy day as well. So yeah, that's about it for now. So as you can probably tell by now, those days where I'm working and whatnot are really not that interesting. So I'm pretty sure you understand now my decision to not vlog daily. But yeah, I'm excited for this weekend, and I'm excited because tomorrow when I go to bed, it means I don't have to wake up. And it's just such a wonderful feeling. I'm so over having to wake up when it's nighttime and it's gloomy and it's raining and it's just not nice at all. So yeah, I'm gonna stop vlogging now. Hopefully you guys are doing well. Hopefully you're enjoying this vlog in some way. Oh, actually, I mean, for you English speaking people, it wouldn't be really interesting, but some of the tests, actually like two of the tests that I graded, were so good, like so good. I'm actually probably gonna copy them tomorrow at work to keep them as a memory, because they were really good and the subject itself was very difficult for students that age. But yeah, I was so surprised. It's so nice when you have students that give so much of themselves and, you know, they produce something that's really above their level. I mean, not in level, like in that grade. So yeah, it's positive. I'm happy about that. So I'm going to finish the novel, which is going to be a positive thing. Oh, and I'm going to do some yoga tonight. Hopefully, probably, we'll see. So we'll see you later, guys. Okay, should be good. Okay, so it is morning of, what? It's Friday morning. I'm actually packing, getting ready for class, taking everything that I need. So I need to give my students some of their tests back. I need to get some things photocopied at school. I need to see one of the teachers that helps me with everything. I need to do some groceries on my way back. So yes, it's gonna be a bit of a busy day. This morning waking up was so hard.
I felt like I could never go to school, really, if I'm honest. It felt like I just was exhausted. But yeah, I took a shower, which kind of made me feel better. I'm gonna take my B2, I believe, and magnesium. I really need to get some B12 because I haven't been supplementing in like a long time. I'm not really good at like anything that requires, first of all, I hate kind of everything that has to do with health. Second of all, I'm really bad with everything that needs to be scheduled and regular. It's super difficult for me to stick to a routine, which is why I keep giving up on writing. But that's gonna be for another vlog because I need to get some things out of my chest, I suppose. I really suck at sticking to, you know, writing, doing yoga, meditating, any supplements, all those things. That's definitely something I want to focus on in 2019 because I'm still someone that takes resolutions for the new year. Don't ask me why. But yeah, I'm gonna leave now because with the bus, you never know. So I am actually leaving 1 hour and 30 minutes before the time I start working, which is a bummer, a real bummer to have that long of a way to get to work, but I can't help it. So the only way would be to buy an electrical bike, and it's expensive as hell, so that's not happening. So yeah, I'll see you soon, guys. I'm really excited to be back tonight at home and say goodbye to you this week, which has been a bit, I mean, it's been a good week, but I felt really tired. So yeah, bye bye. Bye. You know this town's got the best of me.